Mais pourquoi ce week-end? Parce qu'à la base, il me tenait à cœur de pouvoir remercier toutes les personnes qui me soutiennent et qui me témoignent leur confiance dans ma carrière sportive. Et j'ai trouvé intéressant de pouvoir les remercier et de créer un échange avec eux en leur permettant de passer du statut de spectateur à acteur et de participer à une course automobile en créant des équipages, donc en réunissant mes principaux partenaires sur un week-end de course à Magny-Cours. Je le soutiens puisque je fais aussi du sport auto, mais enfin, voilà, c'est de l'amitié. Hein. J'ai trouvé que Mike, en dehors de ses résultats, en tout cas au début, était vraiment quelqu'un qui méritait. Il prouve depuis 10 ans qu'il est toujours sur le devant de la scène. Il travaille beaucoup à côté, énormément même, à trouver des sponsors, des partenaires. Il fait beaucoup de choses lui-même aussi, ce que les autres ne font pas, et malgré ça, il est quand même au plus haut niveau. Je pense que cet événement a permis de nous rapprocher et puis de vivre une expérience de l'intérieur, mais en échangeant les positions. La journée, c'était une journée découverte. Je ne suis jamais monté dans une voiture comme ça. Journée découverte, pilotage, sympa. Très bon conseilleur. Hein. Ce qui me permet d'aller vite, parce que Mike n'est pas avert de conseils et je suis très attentif à ses conseils. Très content et si vraiment il me rappelle un autre jour, ce sera avec grand plaisir que nous pourrions non seulement venir, mais participer, puisqu'on sait que tout ça est un coût. Pour une première fois, très heureux. Une magnifique 5e place, voilà, j'attendais pas autant. Bah, ce qui est un peu dommage, c'est que lui ne courait pas. Il aurait pu être un petit peu notre mentor et notre moniteur à tous. Mais de nombreux conseils ont fait qu'on a pu quand même placer 5e sur 12. Donc très content de l'après-midi. Mais comme en général toute personne qui côtoie Mike, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres sponsors, d'autres amis à lui. Et forcément, ça passe toujours bien. La journée qu'on a faite aujourd'hui, c'est une... quand tu pilotes, les sensations sont là, c'est sympa. Puis voilà, j'ai appris à me servir de la machine. De vivre ça de l'intérieur, vraiment en direct, c'était vraiment... j'ai découvert un sport que je ne connaissais pas forcément. Parce qu'on le voit à la télé, on voit les pilotes, on entend des noms de pilotes, tout ça. Bon, mais après, mais quand on est vraiment à l'intérieur, on se rend compte que ce n'est pas aussi facile que ça. Qu'il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'argent. Et un volant, il faut avoir du talent aussi. Belle organisation, en bande de copains, où on s'est bien amusé, où là on ne cherchait pas le résultat, mais vraiment de s'éclater entre nous et de passer un moment sympa entre copains.